Bonjour, ici Étienne 907 pour l'explication. On est de retour dans Ark. Et comme vous pouvez voir, il y a un drôle de petit bug avec mes pieds de mon bonhomme. Enfin, bref, c'est pas si important que ça. On va, comme je viens de pogner une relique, je vais aller explorer encore une autre mine. Je vais aller réexplorer la mine que j'avais déjà regardée une fois. On va essayer d'aller trouver une relique. Et cette fois-ci, on va souhaiter retrouver des amis dans cette grotte-là. Puisqu'après tout, mon pteranodon. Oh, excusez, mon micro, je viens de l'accrocher avec mon fil. Puisque mon pteranodon et mon dimorphodon, ils seraient supposés d'être encore vivants. Alors, on verra bien si je le trouve. Ok, alors, je m'en vais dans la bonne direction en général. Il me semble que c'est dans les montagnes qu'il y a là-bas. Ouais, quasiment, je vais même mettre un marqueur pour. Les tours, comme ça m'aiderait à me replacer dans la map. Ça m'aiderait vraiment gros à me replacer dans la map. J'en connais une location de cette machine-là. C'est 73 et 22 longitude. Ce serait peut-être intéressant à les marquer. Ça me donnerait des points de repère. Parce que, disons-le, ces affaires-là sont assez hautes dans le ciel et assez faciles à retrouver. Ouais. Je devrais vraiment faire ça. Je vais faire ça un moment donné hors caméra. Je vais les marquer. Et je vais voler avec l'oiseau jusqu'à les affaires pour pouvoir les marquer plus précisément. Grâce à ma pin qui apparaît dans la map. Tout le monde chier! Arr! Party de merde! Bon, ok. Y'a-tu quelqu'un sur le bout de la montagne? Ça se peut pas que je vois des arbres jusque là-bas. Ah, ok, ça se peut, j'ai augmenté ma view distance. Puisque je trouvais que ma view distance n'allait pas assez loin à mon goût. Bon, je vais aller me poser avant que je n'aie plus de. Man, ce qui m'étonne, c'est que je sois capable de garder le raptor dans les airs de même. L'aigle, il a des pattes, mais vraiment musclées. Sérieusement, c'est atroce. Quoique, c'est pas aussi atroce que ça. Il faut qu'il poigne du monde à tout bout de champ. Ok. Jamais je créerai qu'ils soient pas capables de rien faire. Allez, drop-moi ça. Allez, reprends ton stamina. Comment ça t'es pas posé sur le sol pis tu reprends ton stamina? Enfin bref, je poserai pas de questions. Ok, on va faire un petit tour et on regrabe le petit révélo. On va repogner mon vélo, let's go. Ok, on va voir, je suis rendu où ça m'a. On va trop vers la droite. Vraiment, plus j'aille par là-bas. Vol, petit oiseau! Enfin bref, je viens de m'acheter les Sims 4 pour le pur plaisir de jouer aux versions que justement ont créé un magasin. J'ai vu ça qu'ils ont fait ça. Il y avait ça dans les Sims 2 avant. C'était la seule raison que j'aimais jouer aux Sims. Le fait que je puisse me créer un magasin puis l'augmenter et m'engager du monde, c'était assez le fun. Petit truc de même que je voulais sortir de mon garde-robe. Ah! Enfin bref. Poursuivons notre chemin. Good Lord, moi qui pensais que j'étais pas si loin que ça. Mais bon, je vais essayer de. J'ai dit, je vais essayer de garder la map sortie pour voir si je m'en vais en bonne direction. Yes. Ouais, c'est good. On s'en va dans la bonne direction. Je pense que c'est au top de cette montagne-là. Sinon, je vais aller me déposer sur cette montagne-là pour me reprendre mon stamina encore une fois. Mais c'est vraiment utile d'avoir un truc qui vole. Hein. Avoir un oiseau, là. Juste avoir une monture volante, là, ça t'aide à parcourir du chemin en maudit sans être pogné dans tous ces feuillages-là. Ah! C'est sûr que j'ai mon révélo level 40 qui peut se rendre quand même assez loin puis me défendre pendant un méchant bout, là, mais. J'aimerais ça aussi éviter le plus possible de dinosaures au sol. Disons là, si j'en rencontre trop de T-Rex ou même des scorpions comme on peut voir en bas ici, j'ai pas vraiment le goût de me battre contre ça. Ah, en tout cas, on devrait être bientôt arriver, d'après moi. Non, j'ai encore un ruisseau à traverser. Mais on va se déposer ici. Arrête de voler. Reste couche! Non, mais. What the fuck? Y a-t-il du corail qui pousse au top side? Enfin bref, ne posons pas de questions. Ok, bon, son stamina doit être revenu. Good. Ok, let's go.
On va grab un vélo. Et voilà. Et on est reparti. Good. Ta-ta-ta-ta. C'est entre ces trois montagnes-là. Ah, fin de rhume. Heureusement pour moi, j'avais recordé une bonne couple d'épisodes. Ce qui fait que j'ai pas eu de rhume pendant que je recordais. Ça aurait été atroce de m'entendre moucher à tout bout de champ. C'est sûr que j'aurais coupé le micro à chaque fois, mais. Fou! J'ai pas vraiment le goût de me moucher sur micro. Je suis pas sûr, on dirait qu'à chaque fois que je record, j'ai soit une toux ou bien un petit rhume. Heureusement pour moi, c'est pas un rhume qui m'empêche de rien de faire de quoi. Comme mettons, lorsque j'ai mes crises d'anxiété. Oh my god, j'ai halluciné mon révélo, je pensais qu'il était en train de tomber. Ouh! J'ignore c'est quoi j'ai vu? C'est quoi j'ai vu pour que j'aie l'impression que mon révélo est en train de tomber? Enfin bref. C'est pas important. Continuons le chemin. Ok, alors je suis rendu où à peu près? Sweet, on est très proche. Je devrais voir mon campement de toute façon assez facilement. Ce serait vraiment le fun si je retrouve mes petits dimorphodons que j'avais. Le petit dimorphodon que j'avais perdu dans la grotte ainsi que mon pteranodon. Ça pourrait être utile. Avoir deux montures volantes avec mon ami lorsqu'on va jouer en ligne. Ça fait un petit bout que j'ai pas rejoué avec, donc j'ai pas fait énormément d'avancées dans le jeu, donc c'est pour ça que j'ai pas. What the fuck is that? C'est-tu plein de. C'est quoi ça? On dirait pas des. On dirait des chauves-souris. Wait. Wait a sec. Es-tu en train de me dire que les chauves-souris ont commencé à sortir de leur trou? Ils sont plus juste dans les grottes? Huh. Attendez, je vais déposer mon révélo, je vais reprendre mon stamina, je vais aller voir ça, la plus proche. Ben voyons donc. Ben ouais, c'est bel et bien des chauves-souris, si je regarde bien, là. Révélo, arrête. Non, pas révélo. Aigle. Viens-t'en, on va aller voir ça. Je vais essayer d'économiser ton stamina. On va monter à hauteur d'eux autres. Il y en a 4, il y en a 3. J'aimerais pas trop me battre contre ça. Là est le problème. 3 contre 1. C'est sûr que si je pourrais essayer de les approcher de mon. Ben voyons donc. Oh ouais. 3 foutues chauves-souris ici. Ok, suivez-moi, suivez-moi chauve-souris, suivez-moi. Est-ce que vous me suivez? Yes. J'aime mieux me battre avec le rêve, avec mon révélo que l'aigle. L'aigle, il est un peu très utile. Un peu énormément utile. Ah ouais, viens-t'en battre l'aigle. Et voilà, good job. J'espère que tu resteras pas dans les airs par contre, là, hein? Tu vas te déposer, hein? Good, bon aigle, gentil aigle, ok. Ouais, bon, ben j'ai clearé ces petits maudits-là qui étaient à la surface, hein. C'est vraiment la première fois que je vois un aigle, pas un aigle, mais une chauve-souris à la surface de même. Ok, là, il risque d'avoir probablement le download que, comme d'habitude. Yep, et voilà. Le voilà. Voilà, good. Bon. J'ai oublié de regarder le timer. Faut que je regarde, mettons, à peu près combien de temps que j'ai à explorer la mine. Oh! Quand même. On va dire un bon 10 minutes. Je vais me garder déjà. Ça va faire peut-être 9 minutes, là. Enfin, bref. On va se mettre jusqu'à 58. In real life. Pas besoin de la torche. C'est assez éclairé de même. Bon, faut que je me watch. J'ai-tu encore des stimulants sur moi? Oui, j'en ai 3. Good. C'est good. C'est amplement ce que j'ai besoin. Et en plus, c'est plus des foutues chauves-souris qui est ça. Anyway. Faudrait quasiment que je m'en tame des Onyx. Des Onyx, pas des Onyx. Faudrait que je me tame des chauves-souris. Des gros serpents en roche. En roche. Un gros Pokémon. Faudrait bien que je m'en tame un dans le jeu. Ben, sérieusement, s'il y en a un qui se fait un mod avec ça pis qui met des Pokémon là-dedans, ce serait assez weird. J'ai juste de penser à ça, là. Quelqu'un qui fait un gros mod avec plein de dinosaures, plein de. Qui remodèle des dinosaures en mode Pokémon, puis les Pokémon carnivores, c'est
Le T-Rex et Charizard. Oh man. Oh man. Oh man. Fight me like a badass. Ok, t'as un petit peu, on va reculer un peu. Kill them all! Ok, bon. À combien qui est ton. Il a à peine monté. Sweet. Sweet. J'ai besoin de chitin. Toujours, toujours besoin de chitin. Ok. Ouais, ben, je pense qu'ils sont vraiment en dessous de la map, les petits maudits. Je me demande si j'appelle mes dinosaures. Si, il reste d'en avoir un, ils vont venir. Le seul truc que j'espère, c'est que l'aigle, il a rien entendu. C'est le seul truc que j'espère, maintenant. Bref. Remote, use this, s'il vous plaît. On va essayer de se garder un peu plus bas, parce que je sais que là, il y a un léger problème sur le torpeur. Je veux dire, s'il faut vraiment qu'il soit au max de torpeur pour pouvoir tomber inconscient. C'est quelque chose que j'ignore. Il faudrait que je fasse le test. Mais pas dans une mine. Ok, bon, je vois l'artefact que j'ai besoin justement. On va essayer de grab l'artefact et d'en sortir vivant encore une fois. Puisque j'ai plus besoin d'artefacts que d'autres choses pour pouvoir appeler un des boss. On va pouvoir appeler les boss de Bekos. Pas de l'air avoir d'araignée dans le coin. Man, moi, le dernier coup, je suis passé ici, je pensais que c'était un piège. Bon, est-ce que je suis capable de l'ouvrir? Non. Okay. On va reculer. Il y a. Oh, il y en a des araignées juste là. On va se tasser. On va essayer des corners. Les mettre dans un petit. Dans un petit entrée. Pas suivi les petits maudits. Oh oui, on suit. Die. Die. Die, you spider. Mon raptor, il attaque avec ses petites mains. Je sais pas pourquoi. Oh fuck. Fuck you. Ok, toi. Je veux vraiment pas que tu t'endormes, c'est la job. Alors, oh, prends donc un stimulant. Fuck. Fuck! J'ai tellement peur de tirer mon raptor. Go raptor! Tue-le! J'ai vraiment peur de tuer mon raptor. Ok. The clever. Oh, that clever! I'm so clever! Ok. Reprends donc un... Non, non. Je vais te garder avec ça. On va essayer de se rendre jusqu'à la surface. Je vais laisser la torpeur faire effet. Par ici. Non, pas pantoute. Tuez-les! Fuck that, on s'en va. On s'en va de ça. Je veux sortir de cette envie. Hey, y a plus de torpeur. Oh, sweet. Good. En fait, y a encore de la torpeur, mais sa torpeur, elle augmente plus, elle redescend. What the fuck? Peut-être un peu. Je suis arrivé par là-bas, man. Pourquoi je suis perdu? Je me perds facilement quand j'avance extrêmement rapidement. Extrêmement rapidement, c'est tellement une phrase. Crève, foutu boa! Dégage de ma face, espèce de boa! What the fuck? Je me souviens pas d'être passé par là. Enfin bref, sinon ce foutu boa là. Ok, finalement je suis bel et bien passé par là, c'est juste mon cerveau est HS. D'ailleurs, toi t'as l'air avant cours du stock. Ouais, t'as poigné des pens. Oh yes! Une metal pick. On va prendre ça avec grand plaisir. Puis je vais dropper ma stone pick. C'est le fun quand j'ai pas besoin de refaire mon stock. Ah, oh, attends, non! Non. Attends, laisse-moi utiliser les Steamberry. Steamberry. Remonte sur la ride. F. Et on va les remote use. Remote use! Soit en pleine forme, soit réveillé, mon cher. On va dropper ça. J'essaie de garder mon dinosaure le plus léger possible pour qu'il n'y ait pas trop de misère à se promener. Parce que disons-le, un raptor lourd n'est pas très utile. Non, faut croire que je suis bel et bien passé par ici. C'est juste que je m'en souvenais plus, que mon cerveau il était vraiment à chier. C'est mon rhume de cerveau! Ok, on va jeter la faute sur mon rhume de cerveau, ok gang?
C'est un ordre. Même si... Fuck. Ah, c'est un corps. Je pensais qu'il y avait un mob là, puis je l'avais décapité one shot. Ok, let's go en haut. On s'en va, what's up. Ça va, what's up. Sweet. J'ai pogné un autre artefact. J'ai pogné un autre artefact. Huh. C'est pas ici que je pensais, moi. Je vois plus rien. Je vois plus rien. Ah! Ok, il y a peut-être juste encore eu plein de mobs qui ont spawné, comme à toutes les fois que j'essaye de sortir. Ah bah oui, je m'en souviens de cette maudite. Hey, un foutu booster à cause de... Oh yes! Hit that booty, hit that booty, hit that booty, kill that booty, yeah! Est-ce que j'ai utilisé mes Steamberry sur toi? Ouais, hein. Fuck. Fuck! Moi qui pensais que j'en avais plus que... J'avais plus... Hii, cette affaire commence à être haute. Faut que je sorte ça tout plus vite. Faut que je sorte ça tout plus vite. Ok, good. Ouh! Ok. Alors, je vais mettre fin à cet épisode-là ici. C'était Etienne 906 pour le SPQC. Et on a un autre artefact. T'es rendu où, lag? Hey, lag! Reviens donc ici. Je sais pas ce que tu fais à l'autre bout là du monde, mais... Reviens ici. Dépose-toi. Ok, bon, ben, c'était Etienne 907 pour le SPQC. On a un nouvel artefact. Artefact of the Clever. C'est... Trouvé au cœur des caves au nord. The Earth of the Island. Enfin bref. Alors, comme je l'ai dit, c'était 1907 pour l'explication. On se voit à la prochaine. Bye bye tout le monde.